mardi matin, il est 10h pile. Je viens de revenir de marcher avec Méo puis d'aller porter PA à son travail. J'écoutais une podcast de True Crime. J'écoutais Dark Poutine, on va-tu voir? Et je pense que... Ouais. Mais j'écoutais, c'est ça que j'écoutais. Là, je suis en train de me faire mon café. Comme vous l'avez vu ce matin, je me suis fait un bol d'açaï et j'ai été ô combien déçue. Je vais vous montrer. J'ai acheté ça en fin de semaine à l'épicerie Organix, qui est là. Puis c'était quand même cher, là. C'était comme 10$ pour 4 paquets. Puis c'est un bol d'açaï, là. C'est censé faire une genre de purée comme ça. C'est quand même assez épais, un peu comme un yogourt glacé. Mais c'est vraiment pas ça que ça a donné. Eux, ils disent de mettre une tasse de liquide. Puis avec une tasse de liquide, c'était vraiment, vraiment liquide. C'était trop liquide. C'était comme un jus, là. C'était même plus comme un smoothie. C'était vraiment comme un jus. Fait que c'était pas si bon que ça. Puis, ben honnêtement, d'habitude, des bols d'açaï, quand j'en prends au restaurant, je trouve ça vraiment bon. Mais là, ceux-là, je trouve qu'ils goûtent pas grand-chose. Ouais, vraiment déçu. Fait que j'étais contente d'avoir trouvé une alternative au bol d'açaï des restaurants. Mais comme ça, clairement, c'en est pas une. Puis, c'est parce que j'écoutais les vlogs de Kayla Roy qu'elle en avait trouvé chez Avril Santé au Québec. En tout cas, ça me donnait envie d'en acheter. Puis j'en ai acheté. J'ai été complètement déçue, de cette marque-là. Peut-être que je sais qu'ils en vendent au Trader Joe's. Ça, je les ai achetés à l'épicerie à côté de chez nous, au Safeway. Mais je sais qu'au Trader Joe's aussi, ils en vendent. Fait que peut-être j'ai essayé celui-là du Trader Joe's parce que celui-là, il était vraiment, vraiment décevant. Il m'en reste 2 paquets, puis je sais même pas si je veux les faire parce que... Très déçue de ça. Fait que là, j'ai mon café qui vient de finir de couler. Je vais faire mousser mon lait d'avoine, puis je vais boire ça. En répondant à mes courriels, j'ai des courriels bien importants à gérer aujourd'hui parce que je m'occupe, c'est vraiment moi qui s'occupe de ce projet-là, du mariage aujourd'hui. On a pris les rendez-vous pour la cérémonie de mariage. Je sais pas pourquoi je fais ceci. Mais c'est pas vraiment une cérémonie, là, c'est chez le notaire. Comme que je vous en avais jasé dans un vlog précédent, dans le fond, moi et PA, on est obligé d'accélérer le processus de mariage parce que sinon, j'ai pas le droit d'être aux États-Unis. Fait qu'on fait un mariage devant notaire qui comptera pas vraiment pour nous dans nos cœurs, même si, au sens de la loi, c'est le mariage qui va faire qu'on est mariés. Mais c'est ça. Fait que là, on passe chez le notaire en fin février, la prochaine fois qu'on va au Québec. Puis là, ben, il fallait avoir un témoin qui allait signer une attestation 20 jours avant le mariage pour que ce soit publié. Puis c'est ma belle-sœur qui va faire ça. Fait que c'est censé aller faire ça demain. Puis après ça, nous, on se marie 20 jours après. Ça commence bien une journée, hein? Fait que je vais faire mousser mon lait, je vais répondre à mes courriels, puis on se reparle plus tard. À mes courriels, puis j'ai fait le tour de mes médias sociaux, j'ai répondu à mes DM, j'ai répondu à mes commentaires sous la photo que j'ai publiée hier. J'essaie de tout le temps commencer ma journée comme ça en vidant tout, puis généralement je fais comme un autre tour de tout ça rendu le soir avant de fermer mon ordi. Puis là, j'aimerais ça commencer ma journée plus scolaire. Fait que je voudrais commencer un travail d'école et faire un examen en ligne aujourd'hui. J'essaie de prendre un peu d'avance, considérant qu'on s'en va au Québec dans quelques semaines, que j'ai sûrement moins étudié à ce moment-là. Puis aussi, parce que je sais pas combien de temps que moi je vais passer au Québec, je sais que PA va être là juste une semaine.
Mais moi, probablement que je vais rester plus longtemps parce que il faut que j'aille les papiers de mariage traduits en anglais la prochaine fois que je passe la douane américaine. Ça prend un mois à recevoir, à faire traduire tous ces beaux papiers officiels-là. Fait que c'est ça, je vais sûrement être comme un bout 3 semaines au Québec sans mon chum à dormir chez mes parents. Puis après ça, je vais m'en revenir ici. Je vais pouvoir avoir le même visa que PA ici. Puis je vais faire rétablir mon passeport. Puis on se croise les doigts pour que tout se passe bien. Mais là, on revient à nos moutons. Je vais étudier. Et pour faire ça, là, je pense que je vais aller dans le lobby. Je ne resterai pas dans l'appartement. J'essaie de comme changer un peu d'environnement quand que j'étudie pour être vraiment focus à 100%. Fait que, puis en même temps, il y a un petit foyer dans le lobby. Là, c'est vraiment cute. Fait que je vais aller m'installer là. Il est presque 2 heures. Je viens de finir mon travail sur mon cours à l'université. Et là, je m'apprêtais à aller m'entraîner. Faut que je me change. Il fait tellement froid dans l'appart aujourd'hui. Comme ça faisait un bout de temps que moi et Pierre, on avait arrêté de chauffer. Parce qu'il avait recommencé à faire chaud à Redmond. Et là, il fait tellement froid aujourd'hui. Là, hier, il a grêlé. Puis aujourd'hui, il a neigé. Fait que j'ai mis du chauffage. C'est vraiment rare que je fais ça. L'année passée à Vancouver, là, on chauffait presque pas. Même qu'on avait tout le temps la fenêtre ouverte dans l'appartement. Là. À part peut-être 2 semaines dans l'hiver où il a fait plus froid. Mais là, on a vraiment pas de la belle température, pour être bien honnête. Là. Quand que je suis arrivée à la mi-janvier, comme toute la semaine, il n'y a plus pendant 7 jours straight. Même, je pense, plus que ça. Puis là, c'est ça. Puis il y a eu genre un snowpocalypse pendant que j'étais partie. PA, il était ici. Puis tu sais, PA, il est québécois. Fait qu'il est habitué de voir de la neige. Mais ici, les gens sont vraiment pas habitués de voir ça. Fait qu'il y avait comme peut-être un 2 pouces de neige. Puis tous les systèmes étaient paralysés. Il n'y avait plus de transport en commun. Tout le monde au bureau à PA, il venait pas travailler, il restait à la maison. Fait que c'est ça. C'est le petit segment météo de la journée. Mais je trouve ça rough sur le moral de quand il pleut comme ça toute la journée, quand il n'y a pas de soleil. Mais heureusement, l'entraînement, ça m'aide beaucoup, beaucoup avec mon humeur. Je me suis rendu compte de ça parce que je me remets à la même place que j'étais l'année passée quand on était à Vancouver, dans à peu près les mêmes conditions, sauf que je m'entraînais pas. Puis je trouve que j'ai un vraiment meilleur moral depuis que je m'entraîne ici. Je vais juste allumer la lumière pour voir si ça fait quoi. C'est-tu meilleur? Parce que... Et tout ça pour dire que je suis en train de manger les petits biscuits que j'ai faits. C'est la recette sur le blog de Blonde Story. C'est des petits biscuits protéinés maison. Il n'y a pas d'œufs, pas de farine. Dans cette recette-là, c'est des légumineuses. Puis, elles sont vraiment bons. Puis, tu mets genre, qu'est-ce que tu veux dedans? Fait que tu les assaisonnes à ta manière. Moi, j'ai mis des noix de Grenoble puis de la noix de coco dedans. Puis, c'est délicieux. Fait que c'est ça. Je vais vous mettre la recette en bas si ça vous tente. Il est 9h, puis là, je suis en train de me faire à déjeuner. Je me suis fait un petit café avec du lait d'amande dedans. Puis le lait d'amande, il a comme coagulé un petit peu, mais c'est vraiment bon, mais ça fait étrange. Puis là, je suis en train de me faire un gruyot. Je vais venir mettre du coconut, puis du sirop d'érable dedans. Puis aujourd'hui, j'ai une grosse journée d'études, parce que la semaine prochaine, on s'en va au Québec, lundi prochain. Puis, j'aurai pas tellement le temps de mettre la tête dans les livres à ce moment-là. Puis, j'ai un petit peu de retard. Pour vrai, là, c'était la première session que je prenais 5 cours et c'est très intense. Fait que c'est ça. Là, j'ai de la bourre dans le toupette un petit peu là, cette semaine. Je me set tout un horaire qu'il faut vraiment que je respecte à la lettre pour être capable d'arriver dans les temps. Fait que, on va se mettre là-dedans très tôt. Faut aussi que j'aille faire l'épicerie aujourd'hui.
Fait que je risque de vous amener avec moi. Puis sinon, c'est pas mal assez. Je sais pas si je vais être capable d'aller m'entraîner parce que j'ai vraiment mal aux pieds. J'ai des ampoules de la mort. On a fait une marche de genre 4 heures hier avec Méo. Puis mais j'ai les pires ampoules en dessous de mes pieds. Là, j'ai jamais eu des grosses ampoules comme ça. Puis c'est vraiment en dessous des orteils. Puis ça fait super mal. Fait que c'est ça. Je vais me lancer, je vais finir mon déjeuner. Je vais me lancer dans l'étude, puis on se reparle plus tard. Il est 4h30, je m'en allais vous dire. Je viens de finir un travail, mais c'est pas vrai. Je viens pas juste de le finir, je l'ai fini genre à 3h, puis j'ai vraiment procrastiné le reste. Genre depuis 1h30, là, comme je vais juste me promener sur les réseaux sociaux, puis genre prendre mon temps, vivre ma vie. Pour vrai, c'est bien correct, parce que je planifiais de finir mon travail vers 4h30. Fait que j'ai comme pas perdu mon temps. Faut juste que là, j'aille à l'épicerie. Puis c'est ça que je m'en vais faire. Fait que là, j'ai fait un petit clean-up de l'appartement juste pour que j'aille ça quand que je reviens. Puis que j'ai l'impression que c'est le bordel, là. Fait que je me suis ramassée de ce que je m'étais fait laisser traîner. Parce que justement, quand que j'étais en train d'étudier ou quand que j'étais en train de rédiger un travail, on dirait que je perds toute notion de qu'est-ce qui est propre. Puis je me laisse vraiment traîner ce qui n'est pas normalement dans mes habitudes. J'ai fait un petit clean-up. J'ai mis des bonnes odeurs. J'ai parti mon diffuseur. Puis là, je m'en vais à l'épicerie. Je vais sortir mes sacs, prendre mes AirPods parce que j'aime vraiment ça écouter des podcasts pendant que je fais l'épicerie. Genre, j'aime vraiment ça faire l'épicerie toute seule. Je trouve ça vraiment relaxant quand je suis toute seule puis je suis comme dans ma bulle, là. On dirait que quand PA il est là, ça me stresse. C'est comme faire à manger. J'aime vraiment mieux faire à manger toute seule qu'en équipe. Puis, je sais pas, j'aime ça être dans ma bulle puis réfléchir. Faire l'épicerie, j'ai fait deux épiceries cette fois-ci. Comme la première épicerie, c'est un Safeway où je suis allée, puis c'est un petit peu plus comparable, ben, mettons, au Super C, Maxi. Comme c'est pas vraiment ben, glamour, mais le Trader Joe's, ils ont vraiment des nice trucs. Fait que si je suis allée, j'ai fait deux épiceries aujourd'hui. J'ai acheté plein de pâtes, puis c'était vraiment pas cher, mais c'était 2$ la boîte, je pense. Puis ce que je vais faire avec ça, ça va être un macaroni au fromage. Je vais essayer de faire ça ce soir si j'ai le temps. Je vais regarder à quelle heure que PA il est censé arriver de travail. J'ai acheté des légumineuses, j'ai acheté du lait évaporé pour ma recette de macaroni au fromage. J'avais besoin du Velvita, puis il n'y a pas ça ici, fait que j'ai acheté du fromage en crème à place. Mon lait d'avoine, Silk, que j'adore. Mon Dieu que je l'aime, ce lait-là. Après ça, j'ai acheté des bébés tomates. Ça, j'aime tellement ça. De la moutarde sèche pour mon macaroni au fromage. Puis une des raisons que je me suis rendu compte souvent pourquoi que nos épiceries nous coûtent cher, c'est parce que quand on est déménagé, on a tout mis nos trucs en storage. Puis en storage, on n'avait pas le droit d'avoir de nourriture dans notre entrepôt, dans le fond. Donc, à cause de ça, toutes mes épices, j'ai toutes été obligée de m'en départir, mais seigneur, ça coûte cher des épices! Fait que vu que je suis repartie à zéro, je me suis rendu compte que j'avais... des fois, mes épiceries me coûtent cher, t'sais. Surtout si j'ai une recette, admettons, indienne, puisque ça prend 45 épices que j'ai pas, ben c'est niaiseux, mais le 3$ d'épices à chaque fois ou le 4$ d'épices à chaque fois, ben ça s'additionne, puis à la fin, tu te ramasses avec genre 20$ d'épices. J'ai acheté de la roquette, des zucchini, des micro-pousses parce que c'est vraiment bon ça dans les salades. J'ai une recette de salade que je veux faire. J'ai acheté des pains comme ça briochés parce que je veux faire comme des sandwichs de porc effilochés, mais pas avec du porc. Je vais vous montrer qu'est-ce que je vais mettre dedans en place. C'est ça que je vais mettre. Je vais mettre du jackfruit, qui est le fruit du jacquier en français. Puis j'ai vu une recette de porc effiloché avec ça. Ben de porc effiloché. J'ai acheté de la sauce barbecue. Puis c'est vraiment drôle, OK, parce que c'est la TJ's Organic Kansas City Style Barbecue Sauce. Puis elle était genre sold out, il en restait juste une. Puis toutes les autres sauces à barbecue, mettons dans l'allée, ils étaient toutes pleines. Puis il y avait juste celle-là qui en restait plus. Puis j'étais comme, check ça. C'est sûr que c'est à cause du Super Bowl que c'était Kansas City. Puis genre, la semaine passée, tout le monde a acheté cette sauce-là, genre pour faire des ailes de poulet, etc. Je suis certaine, certaine. J'ai acheté des cœurs d'artichaut, je vais faire une salade grecque aussi, puis je vais mettre ça dedans. J'ai acheté du feta,
que, by the way, ça se trouve, je suis juste capable d'en trouver au Trader Joe's, genre des bons fromages fancy, là. Puis même, ma soeur, moi, du feta, je considère pas ça comme fancy, mais il y a juste ça au Trader Joe's, il y en a pas à l'autre épicerie. Des olives pour ma salade grecque. J'ai acheté un plat en Pyrex parce que j'en avais pas. On n'a jamais acheté ça depuis qu'on est déménagé. J'ai un autre sac, je vais vous montrer. Dans mon deuxième sac, j'ai des bananes. J'ai, c'est quoi ça? Ah, un brocoli. Je vais mettre ça dans mon macaroni au fromage. J'ai acheté du persil parce que j'aime vraiment ça mettre ça dans les salades. Ça, c'est un sac à lavage là, que j'ai pris pour mettre mes trucs dedans parce qu'il m'en manquait un. Parce que j'ai commandé ce petit set-là dedans le sac. Puis, il y en avait trois dedans. Puis, souvent, trois, j'en ai assez, mais je m'en amenais juste comme un au cas où. Puis là, aujourd'hui, je l'ai utilisé. J'ai acheté des citrons. Ils étaient quand même chers. Ils étaient une pièce, les citrons. Des oignons rouges et des asperges. Puis, je pense que ça va être ça. Ça va être ça, mon épicerie pour la semaine. Mais oui, il est couché à terre. Il est couché sur le dos, puis il veut de l'attention. Fait que je vais ranger ça. Je vais commencer à souper. Puis là, ça fait genre un petit bout de temps que je vous parle. Je pense que je vais finir le vlog aujourd'hui. Puis demain, je vais recommencer un nouveau vlog. Je vais éditer ça, ça demain matin en me levant. Ou ce soir, si j'ai le temps. Super à travail. Je me sens mal souvent de travailler sur mon ordi quand PA fait rien. Puis comme quand lui, il revient puis qu'il amène du travail à la maison, je suis comme, bon, j'ai une excuse. Fait que sûrement, je vais éditer ça quand je vais avoir le temps. Puis on se redit dans un prochain vlog. Merci d'avoir écouté ça. Puis on se revoit. Bye!